Tu peux reconnaître les gens programme. Non, on ne parle pas de ça. Solide en bloc derrière le leader et Maman Corps qui nous connaît un bon congrès qui fait attendre nous, donc nous très enthousiastes. Écoutez, un renouvellement, c'est un renouvellement. Pourquoi chaque monde est content de servir le parti de travail? C'est un moment de servir et il a envie les autres du monde de servir, mais Maman Corps qui nous a mis dans la jeunesse. En contact avec les membres de l'exécutif, c'était l'occasion aussi pour être capable de partager certaines affaires avec le leader. C'est personnel, là, Zeut, entre l'idée Zeut et le parti Zeut, c'est important, mais une cause de progrès, une cause de changement qu'il faut amener, c'est ça qui est important. En fait, le mood est festif, le mood est très bon, c'est ça qui est intéressant. Alors, on pensait qu'il y a un mood très positif qui peut régner au sein du parti, parce que tout du monde réalisait qu'il faisait un amas de changement, qu'il faisait apporter. Pour cela, encore une fois, on remercie l'électorat, parce que c'est grâce à l'électorat qu'aujourd'hui, nous retrouvons dans une situation que ENA un changement qui peut opérer. C'est une vérité. Et l'électorat nous donne un coup de main à ce qui ENA a une certaine épuration au sein de bonne structure. Et c'est une bonne chose. On est beaucoup plus content que Dimoun Bizien commence à réaliser que l'avenir c'est la jeunesse. L'avenir c'est les jeunes. Et les jeunes ont envie qu'ils nous rassiègent de l'avenir. Il est tout à fait normal que ceux qui finissent contribuer dans le passé pour l'avancement du pays et qui retrouvent une certaine expérience avec un certain passé, avec un certain vécu, qui ont besoin maintenant de faire la place à la nouvelle génération. Ils ont besoin d'expérience, mais livrés aussi, qui ont besoin d'une attention particulière aux jeunes. Et ce n'est pas par le plan seulement qu'il y a une attention particulière aux jeunes. Vous connaissez, nous sommes capables de promettre, comme le gouvernement actuel, toutes qualités d'affaires pour les jeunes, qui nous bouffent pour les jeunes, l'emploi pour les jeunes. Mais en actuelle réalité, nous ne connaissons pas les problèmes que les jeunes préfèrent face et qu'ils ont d'attente. Et nous, au Parti Travailliste, nous finissons déjà assumer ça. Et nous finissons comprendre cela. Et c'est à cause de cela que, au sein même de la structure du parti, il y a un renouvellement qui commence à opérer déjà. Et livré, l'accent c'est vers Ban Jeune. Et c'est ça qui peut primer, et c'est ça qui peut amener nous vers Ban Changement en profondeur. Et c'est seulement quand nous finissons faire un Ban Changement en profondeur au sein de notre parti qui nous capable amène ce Ban Changement là, côté la méritocratie, côté la transparence, côté la démocratie. Et là, nous capables de transposer cela dans une institution du gouvernement qui nous peut diriger dans un avenir pas lointain. Merci beaucoup.